Allez, normalement, me revoilà. Il y a Twitch qui a décidé de planter. C'est pas grave. On relance. Un petit plantage qui venait de Twitch, parce que ça me mettait comme quoi le stream était impossible. Ils ont eu un petit crash, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on est de retour. Donc j'étais parti pour ouais, aller voir le forgeron pour améliorer l'arme. Ouh, c'est pas grave, je reviens, je refais, je continue. Je stream jusqu'à 17h, j'ai encore une petite heure, donc ce serait dommage de s'asseoir dessus. Allez. On n'a plus rien à vendre. On va améliorer. Bien entendu, on va améliorer l'épée que j'avais au début. On va la rééquiper du coup. À une autre fois. Hop, inventaire. Bon, cela même. Hop, on va regarder celle-là du coup. Hop. Ils se battent contre quoi? Ah, il y avait un loup, d'accord. Ça bug énormément. Ah, alors. D'ailleurs, des problèmes Twitch, parce que ma connexion, là, pour le coup, elle est au max. Il n'y a pas de problème. Vérifier un truc. Ouais. Ok. Bon. On va surveiller, voir. Hein, parce que là, pour le coup, ça vient pas de mon côté. J'étais parti pour retourner voir l'autre. Ok, allez, on y va. Et parti. Non, je pense que Twitch, ils ont eu un petit crash là, en fait. Mais bon. Va croiser les doigts pour faire une dernière heure de stream tranquillement. On a streamé tranquillement depuis 14h. Les deux premières heures, je vois pas pourquoi on aurait des problèmes. Allez. Du coup, direction El Penor. C'est parti. Ah oui, c'est vrai que j'oublie que quand on se rapproche trop des côtes. Elle aime pas. Non. Non, sinon. Et à tirer. Vite, allez.
Ah oui, tant pis. Allez, on débarque. L'histoire de ma mère à propos de Kira et des guerres sacrées. Je me demande si elle est venue ici. Allez, on va voir ce que le Pénor va nous dire. Il va pas être content vu qu'on n'a pas tué le lion. Le loup, pardon. Pire, c'est peut-être lui qu'on bute. Le marché, il est actif. A priori, oui. Je crois qu'ils les ont pas désactivés dans les jeux, les marchés. Ce serait con de leur part dans le sens où ils ont mis une fête mise à jour visuelle du jeu pour la PS5, c'est pas pour couper les trucs. Je vais acheter un a priori oui. Bienvenue mon ami, je suis Sargon, consignataire d'antiquités mythiques et extraordinaires. J'ai tout ce que tu pourrais désirer, et bien plus, à titre onéreux, bien entendu. Hey. Presque trop beau pour être vrai. N'essaie pas de me rouler, marchand. Par les dieux, jamais je n'oserais essayer. Je suis toujours prête à dépenser quelques drachmes si le prix est raisonnable. Je n'accepte pas les drachmes. L'oricalque. La monnaie qui m'intéresse est l'oricalque. Non, oricalque, pardon. Comme beaucoup de gens, heureusement. C'est un métal précieux d'une époque ancienne. Il possède des propriétés que Sargon, ton serviteur, trouve attirantes. Allez, on va regarder ce qu'il a. Voyons ce que tu proposes. Là, là, ok. Mais oui, donc il est bien toujours actif avec l'épée légendaire, une épée légendaire et un arc légendaire là. Pour le coup. J'ai déjà 221, tiens, je savais pas.
Allez. Allons voir El Pénor avec sa tête de politicien des Républicains. Là. Voilà, il va pas être content. Oh, Mystios, comment était Mégaris? Le loup est mort. Oh. Excellent. Voilà tout convenu. Tu t'attendais à ce que j'ergote? Allons, Cassandra. Ce n'est pas tous les jours que je pousse quelqu'un à tuer son père. Sauf qu'il n'était pas ton vrai père, n'est-ce pas? Je ne serai plus ton pantin! Oh, quelle déception. Ah, c'est ceux du culte. Bon, allez, fais pas n'importe quoi là. Allez, la poule. Rebuté Mich. El Pénor s'est enfui, le lâche. Je ferai bien d'examiner sa maison. Une lettre pour El Pénor. Oh, Phoebe, tu l'as conduit jusqu'à moi. Petite fouille. El Pénor recherche une femme. Je me demande qui il veut manipuler. C'est un manifeste de navire. El Pénor vend des armes à Athènes et à Sparte. Il a intérêt à ce que cette guerre s'éternise. J'en ai rencontré des traîtres. Mais aucun d'aussi perfide qu'El Pénor. Je vais soulever chaque pierre et fouiller toutes les ombres. Je trouverai et tuerai ce serpent. Allez, niveau 9. El Pénor est toujours en faut qu'il sombre. Faut qu'il c'est grand les gars. Hein. C'est tout ça. Alors, inventaire, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un casque. Et un gourdin. Les aptitudes. Mmh.
Hop là. Ah, il faut que je l'affecte du coup. Oh, je l'affecterai une autre fois quand j'en aurai besoin. Allez, on va se faire un on va se synchroniser en haut là. C'est où? Tiens, tiens. T'en fais pas, ce sera rapide. Je veux juste la prendre. Allez. Un mercenaire de moins. Mi tout au pis. Du coup, j'avais raté les vols du sucre, ton défi de la deuxième heure. Oui, non, on va pas brûler les étapes, hein. On va aller voir l'oracle de Delphes. Et Delphes est au Montparnasse. Allez. Allez, c'est parti. Magnifique couleur quand même, hein. Le jus l'a pas trop morflé. Hey.
Espérons que l'oracle offre de meilleurs présages que celui de Sparte. Le temple d'Apollon. Le sanctuaire de Delphes. Les dieux eux-mêmes veillent sur cet endroit. Cassandra, c'est splendide, non? Je peux sentir la présence des dieux et toute l'affection d'Apollon. Et alors, avec Elpenor? Je te le dirai plus tard en privé. Qui est-ce? Oh, un simple pèlerin. Le père de l'histoire. Je lui ai demandé si elle était aussi imposante qu'on le raconte. Et alors? Elle l'est? Je l'ai quittée avec plus de questions que de réponses. C'est comme ça, un oracle. Tu n'as pas menti. C'est bien la lance de Léonidas. Oui, j'ai un peu parlé de toi. J'aimerais que tu fasses preuve d'un peu plus de discrétion. Il avait l'air de s'intéresser aux légendes, comme toi. Je me suis dit que vous pourriez vous entendre. Mais comment ? Tu reconnais ma lance d'un simple regard? Tu n'es pas qu'un simple pèlerin, n'est-ce pas? Les apparences sont trompeuses à Delphes. Même la mienne. Je m'appelle Hérodote. Je suis un conteur. Du moins, je l'étais. Cette guerre nous pousse à changer de métier. Je suis plutôt d'accord. Mais pourquoi caches-tu ton identité? Je représente quelqu'un, un Athénien, un homme très puissant. Nous voulons mettre fin à cette guerre. Tu m'as dit que tu venais poser une question personnelle à l'oracle. La guerre est personnelle, Barnabas. Alors, tu es venu demander à la Pythie des conseils pour arrêter cette guerre? Oui, mais il se passe des choses étranges à Delphes. Des gardes partout, des gens que l'on chasse. J'ai moi aussi des questions pour la Pythie. Et quand je vois cette file, j'aurai les cheveux blancs quand je la verrai. Tu plaisantes! Avec toutes tes armes, rien ne te résiste. Je ne suis pas venu créer des ennuis. Des ennuis? Vas-y, c'est tout! Qui va t'arrêter? Le prêtre? Très bien. Mais si les choses tournent mal, ce sera ta faute, Barnabas. Elle est bien comme je l'avais décrite, non? Je viens voir la Pythie. Seuls ceux qui ont reçu la lumière d'Apollon peuvent entrer. Comment fait-on pour la recevoir? On fait la queue comme tout le monde. J'ai l'air de quelqu'un qui fait la queue. Très persuasive, la Cassandra. Entre dans la lumière d'Apollon, la lumière qui éclaire les ombres. Choisis bien ta question, mortel, car tu n'en poseras qu'une. Cherche la vérité. J'ai perdu ma mère quand j'étais enfant. Je dois la retrouver. Où est-elle? C'est toi, celle des visions, l'enfant sur la montagne. Comment peux-tu savoir ça? Tu dois partir. Vite. Partir? Tu sais tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici? Oh, je le sais. Les décisions que tu prends sont sages. Un autre Mystios aurait tué les occupants de cette grotte en Mégaris. Mais tu as su attendre la vérité, et tu as décidé de leur laisser la vie. Mais comment... Barnabas, il picole, oui. Se cacher de la lumière. Je t'en prie.
Je viens de loin. Tu dois avoir les réponses que je cherche. Enfant de la montagne, le culte de Cosmos a des yeux partout. Il va te tuer. Culte de Cosmos ? L'oracle a parlé ! La prophétie t'appartient ! Tu n'as pas répondu à ma question. La pitié va se retirer. Je ne partirai pas sans réponse. Ou pas. Ah. Hérodote, tu es toujours là ? Où est Barnabas ? Il a regagné votre navire. Tu sembles mécontente de ta prophétie. Elle savait qui je suis. C'est la pitié. Il est normal qu'elle prétende te connaître. Non, c'était vrai. Elle a dit qu'elle m'avait vu enfant sur une montagne. Quel enfant n'est pas allé sur une montagne ? On m'y a jeté de cette montagne. Ma vie a commencé et s'est achevée là-bas, je te le dis. Elle savait qui je suis. Elle a cherché à m'avertir. À t'avertir ? De quoi ? Elle a parlé du culte de Cosmos. Tu en as déjà entendu parler ? De vagues rumeurs. Un culte différent des autres qui viendrait à Delphes ? N'y pas prêté attention. La pitié semblait en avoir peur. Les gardes l'ont emmené. Ils l'ont emmené ? Alors les rumeurs étaient vraies. Si ce culte a corrompu la pitié, c'est une nouvelle épouvantable. Tu comprends ce que ça veut dire ? À travers elle, ce culte dirige le monde. Il faut que je la voie quand elle est moins... entourée. Ça réclamerait une intervention divine. Elle est toujours entourée de gardes. Eh ben, on les bute. Tu en sais plus que moi sur la pitié. Où est-ce qu'elle peut être ? Quand elle n'est pas au temple d'Apollon, elle est chez elle, dans la Cora de Delphes. Je ne peux pas briser toutes les portes pour la retrouver. La maison de l'oracle doit être facile à trouver. Elle est sûrement la seule habitante de la Cora de Delphes à vivre dans le luxe. Je vais trouver où habite la pitié. Et j'aurai mes réponses. Rappelle-toi, Cassandra. Quand la finesse s'impose, mieux vaut savoir oublier la force. Allez, on va aller trouver la pitié. Voilà. On va faire le point de synchro avant. Hop là, allez, c'est parti. La Corée. La Cora, parce que la Corée, non. J'ai pas trouvé qui joue. Et hop. C'est parti. La Cora, en plus, on est passé à côté tout à l'heure, donc. On reprend le chemin. Encore des loups. On y va. Non.
Je crois que j'ai vu un mercenaire. Là, juste en dessous. Ah, le culte du cosmos. L'oracle se cache à l'intérieur. Je vais enfin obtenir des réponses. Ça, on peut dire que la pitié est bien protégée. Ouf, je l'ai pas vu, lui. Là, pour être protégée, elle est bien protégée. Oui. Alors... pour la finesse. Oula. Tu te crois chez toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà, il n'y a plus. Attendre que lui se lève. Ah bah voilà. Allez, on commence d'abord par eux. Allez, viens. Tout bouclier, il ne dérange plus. C'est de l'autre, hein. Bouclier sert à rien honnêtement. Il regarde le spectacle. Ce sont les faibles qui mourront.
Je connais Travesti. Okay. Oh, on en a encore un qui se pointe derrière, non, devant. Ah, encore un qui fait de la petite poison. Voilà, allez, un de moins, encore. Hop, merci, merci. Allez, construis. Quoi, deux coffres. Et maintenant la pitié. Oh, garde ! Je ne suis pas venue te faire de mal, mais je veux des réponses. La pitié est l'instrument sacré des dieux. On vient de très loin me poser des questions. Personne n'a jamais osé envahir ma maison. La colère d'Apollon sera rapide et cruelle. Garde ! Je cherche ma famille. Et où que j'aille, on me ment ou on essaie de me tuer. Tu es la première personne susceptible d'avoir des réponses. Ils me tueront si je te les donne. Sauf si je les trouve avant. Aide-moi. Il ne t'arrivera rien, je te le promets. D'accord. Mais dépêche-toi de poser tes questions. Plus tu resteras ici, plus nous serons en danger. C'est quoi ce culte de Cosmos ? Ils sont les yeux qui voient sans être vus. Arrête avec tes énigmes. Je veux des noms. Je n'en ai pas, je te le jure. Ils se cachent derrière des masques et des voiles. Pourquoi travailles-tu pour ce culte ? Je n'ai pas le choix. Alors, toutes les prophéties divines que tu livres sont des mensonges pour lesquels on te paie ? La plupart s'intéressent à l'amour ou à la mort. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Mais quand les questions portent sur la politique ou la guerre, le culte me paie cher pour transmettre ces messages. La corruption de politique, quoi. Tu dis m'avoir vu dans tes visions. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a un artefact sous le temple d'Apollon.
Il révèle ce que les dieux seuls devraient savoir. Tu m'as appelé l'enfant de la montagne. Le culte traque un enfant de Sparte qui a survécu à une terrible chute du mont Taygetos. L'artefact a dévoilé qu'il s'agissait de toi. Tu as l'occasion de faire ce qui est juste. Dis-moi où je peux trouver ce culte. Dépêche-toi de parler, ou on ira le chercher ensemble. Il y a une très vieille salle sous le temple d'Apollon. Je crois que c'est là qu'ils se réunissent. Mais sans masque et sans cape, n'espère pas y entrer. Où peut-on trouver un masque et une cape ? Un homme vient me rendre visite de temps en temps. Il s'assure que je ne manque de rien. J'ai la plus grande maison de la Cora de Delphes. Mais il continue à me payer. Je le trouve effrayant. Quel est son nom ? Elpenor. Notien. Elpenor ? Il fait partie du culte ? Je n'en suis pas sûre, mais si c'est le cas, il détient sûrement ce que tu cherches. Et tu sais où je peux le trouver ? Il y a un fort, au sud de la vallée de la Nymphe. On dit qu'il mène des affaires. Merci infiniment. Puisse la lumière d'Apollon te mener à ta famille. Faut que j'annonce à Hérodote ce que m'a dit la Pythie sur le culte. Qui sait, il aura peut-être une idée. Tant de chien, dis donc. Hein. Alors, qu'a dit la Pythie ? Le culte de Cosmos me cherche. Mais je serai la première à le trouver. Elle m'a dit qu'ils se réunissaient dans une salle secrète, sous le temple d'Apollon. Alors tout est vrai. Si le culte a réussi quelque chose, c'est à me berner. Je ne peux pas entrer sans masque et sans cap. C'est pas cela qu'ils reconnaissent leur mort. Le temple d'Apollon est près de la grotte de Gaïa. C'est assez facile à trouver. Mais le masque et la cape d'un adepte, comment comptes-tu faire ? La Pythie m'a fourni l'indice dont j'avais besoin. Je te retrouverai au temple quand je serai prête. En attendant, je vais aller tuer ce chien menteur d'Elpenor. Bug encore. Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Bon, on dirait que ça a planté, ou je ne sais quoi, parce que moi j'arrive plus à avoir d'image sur Twitch. Ok, donc c'est pas...
C'est chez moi que Twitch déconne alors. Tu n'iras pas loin. J'avais disparu juste pour vérifier si c'était. Ah, il va chier. Mais blague à part, il est parti où le cadavre? Parce que j'ai dit va chier, mais. Mais il est où? Ah ouais! Il est vraiment parti chier, quoi. Ok, super. Oui, non, mais c'est pas un souci, c'est juste. Chez moi, Twitch a pas voulu. Le stream continuait, mais j'avais pas de visuel. Enfin, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous l'aviez encore. De toute façon, je vais. Pardon, le toutou, ne me mange pas. Non, c'est bon. Je vais m'arrêter là pour le stream du jour. Voilà, on a bien avancé. J'espère que ça vous a plu. Je remercie les personnes qui sont venues sur le stream, qui se sont abonnées, qui suivent la chaîne. Hein, pas d'abonnement. Voilà, c'était cool. Et puis on se donne rendez-vous. Le prochain stream ce sera mercredi sur un jeu. Vous verrez sur Twitter. Je l'afficherai. Et pour samedi prochain, ce sera Assassin's Creed à nouveau. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et bon week-end. Ciao tout le monde.